Salut à tous, c'est Calypso. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série Les Youtubers en moto. Et pour ce premier épisode, on accueille Fast Good Cuisine. Yeah, merci, ça fait un super plaisir. Il y a un an, je l'ai invité pour une vidéo en moto qui s'est passée en forêt. Mais cette fois-ci, on va monter d'un niveau. On est sur un petit terrain de cross, gentillet, mais ça va être compliqué quand même. Tu te sens prêt? Il y a plein de pièges, on a déjà roulé un petit peu. C'était compliqué. J'ai déjà eu une petite chute pour ma part, donc je pense que je vais bien vous faire rire. Elle n'a pas été filmée tout à l'heure, donc on va essayer d'en regarder pour après. Tu m'en gardes, hein. Enfoiré. Allez, c'est parti. C'est parti. On commence à faire quelques petits tours de terrain gentiment. Charles, comme je vous le rappelle, ça fait plus d'un an qu'il n'a pas fait de la moto. Et pour l'instant, il se démerde plutôt bien. On va voir s'il arrive à accélérer un petit peu plus après. Pour le moment, on le met en confiance, quoi. C'est le principal. Ouh. Attention. La petite frayeur. Il me fait peur des fois. Ça va, Charles? Ça va, je me suis fait une petite frayeur. Pour l'instant, c'est cool. Et pour ceux qui veulent savoir ce qu'on a comme moto, actuellement, on est sur une 125 YCF pour Charles. Donc ma petite 125 YCF. Et là, on est sur un mélange YCF et CRZ. Donc toujours en 125 aussi. Ah, le petit calage. J'ai failli te rentrer dedans, j'étais juste derrière. Le petit calage qui fait plaisir. Je t'ai fait le coup de la panne. Attends, je vais régler ça. Voilà, c'est bon. C'est quoi les petites astuces que tu peux me donner là? Tu te mets... Oh là. Attends, merde. Et voilà, et monsieur casse tout. Je casse la moto dans le non-respect. Les petites astuces que j'ai à te donner avant d'arriver sur une butte. Tu te mets bien comme ça, debout sur la moto, surtout pas rester assis. Quand t'es assis, tu prends plus de risques parce que tu prends tous les défauts de la route, etc. Enfin, de la route. Ouais, regardez l'état de la route. Regardez où il me fait rouler un débutant. Voilà, la route, elle fait 1m50. Avant d'arriver dans un virage, parce qu'avant le virage, faut freiner, hein. On est d'accord. Avant d'arriver dans le virage, pour freiner, tu dois te mettre un petit peu plus vers l'arrière comme ça sur la moto. Ok. T'auras plus d'adhérence. Allez, on va faire encore un petit tour. Tu veux que je te suive? Ouais, vas-y, après tu passeras peut-être devant un petit coup. Donc pour l'instant, on y va encore gentiment. Vas-y, je te suis. Vas-y. Tu peux prendre de l'avance. Ah, il s'est mis debout. Regardez. Il se met un petit peu debout. Parfait. C'était bien ça. Ça me fait super bizarre de retourner sur un terrain comme ça. Un terrain de débutant. J'aime tellement apprendre la moto aux autres que ça me dérange pas au final de rouler gentiment. Je m'amuse autant qu'en roulant vite, clairement. Freine, voilà. Oh, non, là t'as freiné trop fort. Ah. Non, désolé, c'est de ma faute. J'ai entendu freine. Je t'ai mis dans le doute. Tu m'as mis dans l'inquiétude. On accélère un peu. Vas-y. Allez, c'est parti, je passe devant. Ah, j'arrive plus à le suivre, l'enfoiré. Bon, je me lève sur ma moto un peu. La partie compliquée, elle est là. Je pense que j'ai perdu Charles. Ouais. Ici, tu peux passer tranquillement la troisième. Là, tu ralentis un petit peu. Parce que ici, c'est un truc de pute aussi. Non, faut faire gaffe, là. Là, tu mets ton pied. Tu fais gaffe ici, mon gars. Hop. Et là, c'est le pied. Tout est dans le pied. On va essayer de rattraper Charles. Je veux pas qu'il me rattrape. Ah, c'est mal barré, je crois. Comment ça se passe chez Charles? Ça va? Ouais, ça va. Parfait. Tu commences à gérer, je suis en train de te suivre, tu prends plus de vitesse que tout à l'heure, c'est cool. Ouais, je suis en train d'essayer. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est que je fais encore un ou deux tours. Et peut-être qu'après tu me feras un petit suivi. Ce que j'aimerais bien dans cet épisode, c'est que t'arrives à sauter. Si t'arrives à décoller de ça, c'est déjà un bon début. Là, soit tu restes devant moi, soit je passe devant. Bah passe devant au pire, comme ça moi je suis tranquille et je peux tenter le saut si jamais. Ok, d'accord, ça marche. Oh non! La petite douche! Ah, c'est bien, il se met debout dans les sauts! Il apprend vite, Charles, c'est cool! Good!
Ah, il a presque sauté, hein. Now the plan, if all else fails, prevail. I'm gone, but I'm sticking to the cut, never signing off. Little bit of fame and the finest broads. You hypnotized, now you live in a life. Écologique, rouler sans dépenser d'énergie. Vous pouvez même faire du bruit. Non, je vais essayer de te battre, Charles. Bouge pas. Ah, mais j'ai pas tenté un record. Je baisse la tête. Oh oui, je vais le dépasser. Regardez-moi ça, course bio sans moteur. Essaye de pas me coller trop près si jamais je tente un saut. Ouais, ouais. Que je me rate. T'as presque décollé tout à l'heure. Ouais, j'ai vu, cool. J'ai vu. Oh, il y a un début de décollage. Je pense que Charles va réussir mon défi de cet épisode. Réussir à sauter, au moins décoller les deux roues. Et ça, ça va faire plaisir. Oh, il a sauté. Wouh. Bien joué, Charles. Oh oui, il y a un décollage. On essaie de décoller petit à petit. C'est une nouvelle sensation, c'est pas évident. Il accélère de plus en plus à chaque tour, ça fait plaisir. Dans l'intérieur. Même sur les terrains de débutants, j'arrive à kiffer ma race, c'est ouf. La moto, vraiment, qu'elle soit n'importe où, c'est un pur kiff. Ah, c'est trop stylé. Franchement, même si vous n'aimez pas la moto, c'est vraiment des bonnes sensations. Tu peux chercher au niveau des virages un peu. J'étais en train de dire, à chaque nouveau tour de piste, t'accélères un peu plus, donc ça fait plaisir. Et je disais que t'étais un élève assidu, donc c'est plutôt bien. Ah putain, ouais, mais t'as vu, je commence à capter, même un peu dans les virages, des fois, ça commence un petit peu... On est sur un bon élève, là, pour l'instant. Yes. Dites-nous dans les commentaires qui voulait voir à ma place sur cette moto, ici, là. Qui sera le prochain, à votre avis? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le nom d'un prochain youtubeur. Tout voilà. Simplement. Ça commence à tirer un peu les bras et... Ouais, ça commence. Allez, on va entamer les derniers tours de piste avec Charles. On va essayer de réussir le défi de l'épisode. Faire en sorte que Charles arrive à sauter. Que Charles arrive à décoller les deux roues au moins. Je pense qu'il va y arriver. Parce que tout à l'heure, il a presque sauté, donc j'ai confiance. Ça a glissé. Ouais. J'ai vu. Mais je suis pas sûr que j'ai bien sauté. On va sauter. On saute. Enculé. Ah. Et voilà. L'arrêt parfaitement maîtrisé. Ce n'est pas un calage. Absolument pas. C'était juste pour admirer la vue, c'est ça? On a une belle vue. C'est pas mal. Alors bon, dans la duque des grands arbres, la plaine des sapins. Il met un gros coup de kick dans mon kick. Il a défoncé. Faut faire attention, hein, parce que si je saute... T'inquiète, j'ai la distance. J'ai trop ralenti. Pas assez de vitesse. C'était nul. Bon, allez, c'est pour toi, c'est la dernière journée. J'arrive pas, hein. Je donne juste un petit conseil pour le saut. Quand t'es dans la pelle, tu vois, tu mets un petit coup d'accélérateur. Regarde-le, le salaud. Regarde-le, qui tombe dans l'herbe. Il était bon celui-là. Ah, y'a la fatigue qui commence à venir là. Allez, il va sauter là, je le sens. Ah oui, il a décollé un petit peu. Je vais réessayer. T'arrives dans la pelle, tu mets un petit coup de gaz et en même temps tu fais. Bon, allez. Je vais tenter ce petit saut là. Déjà pour le moment il a réussi à faire sauter la roue arrière en l'espace de 1 heure. Ça fait 1 heure qu'on tourne à peu près. C'est la deuxième fois qu'il roule, donc c'est plutôt pas mal. Yes! Good!
c'est de mieux en mieux, mais c'est toujours pas ça. Voilà, je crois qu'il va falloir que je revienne l'année prochaine. J'ai pas vu la roue avant, en tout cas j'ai vu la roue arrière, elle a sauté, ça fait plaisir. Et bien ça y est, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère en tout cas que ça t'a plu. Ça m'a plu, c'était cool. Au début c'est toujours pareil, un petit, ouais, peu, un petit peu de peur et un manque de connaissances aussi. Mais avec les tours on commence à savoir quand on peut prendre la vitesse, tac tac et tout. T'as eu les bons positionnements dès le début. Et c'est ce qui a fait que t'as progressé très rapidement. Et que t'as réussi le défi de la vidéo, sauter, enfin en tout cas décoller les deux petits trous. Et c'est réussi, donc ça fait plaisir. Ouais, on essaiera pour la troisième année de faire un saut un peu plus vieux, hein. En fonction de votre nombre de likes et de ce que vous me dites, de vos appréciations, etc., on aura peut-être une saison 2, peut-être une saison 3, et on retrouvera peut-être Charles, et ça sera avec plaisir en tout cas. Si je suis pas mort avant. Dans un entraînement de moto. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et ciao, ciao. Ouais, moi je vais m'allonger là.